La parole est à notre collègue Éric Bocquet. Bien, merci, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président Martin, je voudrais revenir au début de vos propos, quand vous disiez ne pas avoir le droit de divulguer les avis sur lesquels le Conseil d'État a été sollicité par le gouvernement, vous parliez de 2015 notamment. Je suis un peu surpris d'entendre ça. Est-ce que c'est vrai aussi devant une commission d'enquête ou pas? Et est-ce que, par exemple, le rapporteur et le président auraient, eux, en tant que dans leurs fonctions respectives, le droit d'avoir accès à ces documents, à ces avis qui ont été sollicités à l'époque en 2015? Je suis un peu surpris d'entendre ce propos. Je voudrais vérifier ceci. Ensuite, par rapport à 2031, qui devient donc une échéance que vous avez citée, vous évoquez l'idée d'une grande opportunité pour l'État, un bon outil, les concessions. C'est vous qui parlez ou c'est le Conseil d'État qui s'exprime là? Parce que c'est plus qu'un avis technique, à mon avis, c'est une opinion. Est-ce que dans vos opinions, il y a des alternatives proposées au gouvernement? Parce que vous êtes le Conseil du gouvernement. Le Conseil d'État sert à conseiller le gouvernement dans la gestion des affaires publiques, si j'ai bien compris. Voilà, quel est exactement votre rôle sur ce sujet particulier? Est-ce qu'en 2031, vous conseillerez ou conseilleriez au gouvernement de proroger les concessions privées de gestion des autoroutes françaises? Parce que, bon, vous n'excluez pas le retour à une gestion publique, puisque vous l'évoquez, gestion directe par l'État, ce qui est une option possible. Alors, vous dites l'État ne trouverait pas l'argent pour le financer, peut-être, mais bon, je sais que cette année, l'État va emprunter 205 milliards d'euros sur les marchés financiers, voire plus, me dit mon voisin, la Commission des finances, 230. Voilà donc, je veux dire, c'est une option sérieuse, à mon avis, qu'il faut examiner aussi. Donc, voilà, je voulais un peu vous interroger là-dessus. Et puis, sur la fin des concessions, là, on apprend il y a quelques semaines au Royaume-Uni, je ne sais pas si vous connaissez plus particulièrement la situation au Royaume-Uni, mais le gouvernement britannique de Boris Johnson, qui n'est pas un fou furieux de l'étatisation absolue, a décidé de renationaliser les lignes ferroviaires du nord de l'Angleterre, où ça ne se passe pas très bien, reprise en main directe par l'État de ces concessions ferroviaires qui avaient été concédées à la grande époque Thatcher, à 16 sociétés privées, etc. Quel est votre avis sur cette situation? Merci. Merci Éric Bocquet. Donc, Monsieur le Président Martin.